Frères et sœurs, bienvenue à l'oratoire Saint-Joseph. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Aujourd'hui, nous prions aux intentions de Madame Colombe Perron et Monsieur Raymond Pépin. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait bonheur. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham. » Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. « Moi et le garçon, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père, eh bien mon fils. » Isaac reprit, « Voici, « voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Ils s'en allaient tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham! » Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui « Sur le mont, le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara « « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix,
toutes les nations de la terre s'adressons l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Alors Abraham retourna auprès de ses serviteurs, et ensemble ils se mirent en route pour Beersheba, et Abraham y habita. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus manda en barque refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et voici que certains parmi les scribes le disaient : Celui-là blasphème. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda : Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire : Tes péchés sont pardonnés, ou bien dire : Lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé : Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, quand Abraham montait à la montagne de Moria avec Isaac, il ne savait pas quel était le sens ultime de sa démarche, et pourtant déjà obscurément dans son cœur, c'était le mystère du Golgotha, le mystère de la souffrance de Jésus, le mystère de la souffrance de Dieu dans lequel il était invité à entrer. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Au moment où il demandait à Abraham d'offrir son fils en sacrifice, Dieu savait qu'il arrêterait les mains du patriarche. Si Dieu a appelé Abraham sur la montagne pour y offrir son fils en sacrifice, ce n'est pas pour jouer avec la foi d'Abraham, ce n'est pas pour pouvoir ensuite féliciter Abraham de l'absolu et de la totalité de sa foi. Il s'agissait de quelque chose de bien plus profond et de bien plus grave. Si Dieu appelait Abraham sur cette montagne pour le sacrifice de son fils, c'est parce que Dieu préparait dans le cœur d'Abraham la future venue de son lointain descendant, de l'Isaac véritable, de Jésus, fils d'Abraham, le véritable fils promis à Abraham. Dieu préparait le cœur d'Abraham à vivre un mystère qui est le mystère même du cœur de Dieu, car Dieu s'est trouvé aux côtés d'Abraham montant sur cette montagne. Abraham n'était pas seul, Dieu était avec lui. Il y a un mystère qui est peut-être le plus insondable des mystères de notre foi. C'est le mystère de la souffrance de Dieu. Nous avons l'habitude de penser à Dieu dans la plénitude de sa gloire, dans la splendeur de sa joie, dans une béatitude sans faille. Et cela est vrai. Et pourtant, il y a aussi le mystère de la souffrance de Dieu. La souffrance de Dieu qui résulte simplement de ce que Dieu, parce que Dieu est amour. Et puisque Dieu est amour, il a tout fait par amour. Il nous a créés par amour. Il nous aime d'amour. Et il ne peut plus désormais être heureux sans que nous soyons nous-mêmes heureux de son bonheur. Et si Dieu nous aime
à ce point, Dieu ne peut pas rester impassible, indifférent devant le malheur de l'homme, devant le péché par lequel nous détruisons en nous l'amour et donc la joie. Et quand l'homme se détourne de cette amitié, de cette tendresse de Dieu, Dieu ne peut pas ne pas souffrir de ce refus. Devant la mort spirituelle de ses enfants, Dieu souffre, et c'est cette souffrance du cœur de Dieu qu'il a voulu faire connaître mystérieusement à Abraham. Quand Abraham montait avec Isaac sur la montagne où son fils allait mourir, Abraham découvrait dans son cœur la souffrance d'un père devant la mort de son enfant. Et en même temps, d'une manière plus mystérieuse encore, Dieu faisait découvrir à Abraham que cette souffrance aboutirait à ce sacrifice de Jésus sur la croix, où tous les péchés des hommes seraient rassemblés sur les épaules du nouvel Isaac, où le bois de la croix pèserait sur les épaules du Christ comme le bois de l'Holocauste sur le dos de l'enfant. Et de même que Jésus était Isaac montant vers le mont de Moria, de même Jésus sera le bélier substitué à Isaac. Il sera substitué à tous les enfants des hommes pour aller jusqu'au bout du mystère du mal, du péché et de la mort que nous avons accumulé sur nos propres épaules et que lui prendra sur les siennes. Il sera en même temps celui qui est rendu à son père, parce que de même qu'Isaac a été rendu à Abraham, de la même manière, Jésus sera rendu à son père, rendu à tous les hommes, rendu à la vie, à la joie et à la gloire au-delà de la mort. En tant que chrétien, chrétienne, chaque jour, nous vivons le mystère du Christ crucifié, mort et ressuscité. Nous connaissons quelque chose de la souffrance. Nous en savons le caractère intolérable, mais ce que nous ne savons peut-être pas toujours suffisamment, c'est que cette souffrance que nous vivons est la découverte du mystère de Dieu. En souffrant, nous comprenons quelque chose de l'ultime secret du cœur de Dieu, qui est précisément celui de cette souffrance de Dieu devant le péché de ses créatures, devant la mort et le malheur de ce qu'il aime et que nous sommes. Aujourd'hui, essayons de vivre dans la joie du Seigneur, dans le Christ, Dieu réconcilié le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Reconnaissons les signes et les miracles qu'il nous accorde chaque jour. Amen. Maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vingt fruits de la vigne du travail des hommes et femmes, nous te les présentons, elles deviendront le vin du royaume éternel. Sois Dieu maintenant, toujours. Sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le don de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont le recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, Lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez sans tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Fais saint ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses évêques auxiliaires Thomas et Alain,
et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur notre enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Frère André et bienheureux Basile Moreau, qui ont vécu dans ton amitié, nous soyons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Thank you.
Prions encore le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.